Cette vidéo est sponsorisée par NetBet. Lien et code promo dans la description. Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi, c'est récompense, Division Rivals, ainsi que FUT Champion, en espérant, les amis, avoir du très lourd. Pourquoi? Vous le savez très bien, si je tape un rouge 84+, et il y en a 9, les amis, dans cette Team of the Week, eh bah, il y aura 2 vainqueurs dans l'espace commentaire qui gagneront l'équivalent de 20€ de points FIFA en fonction, bien sûr, de leur console Xbox, PS4, PC, etc. Donc, pour participer, vous savez très bien comment ça fonctionne, vous lâchez un petit pouce bleu et vous mettez un commentaire, ce que vous souhaitez. Ok, maintenant, Division Rivals, normalement c'est le rang 2 et on a terminé hors de en FUT Champion. On a vraiment de quoi faire du point de vue pack, on peut taper du très lourd, c'est l'objectif. Faire monter ce solde de crédit, exploser, taper du sale. Et un joueur très intéressant, les amis, il y a du Lewandowski, du Kane, du Pjanic, du Gundogan, du Wijnaldum, Dean, Navas, Michael. Et on peut rajouter le petit Hakuna qui a 84. Mais voilà, il y a principalement 8 joueurs plutôt pas mal à paquer dans cette Team of the Week. 9 si on rajoute Hakuna qui a 84. Plus, on va chercher bien sûr nos récompenses Division Rivals. Nous avons fait un petit rang 2. Donc on va prendre cette petite option avec un pack à 50k, le pack à 15k et le pack Mega. Pour le moment, c'est plutôt rentable. Sinon, en crédit, c'est 50k. On va quand même se prendre les packs. Il y a une belle Team of the Week. Dans les packs, la chance, elle est plutôt correcte. Donc, on va choisir, les amis, l'option 2. L'option 3, pour le moment, c'est pas une option que je vous recommande. On est au début du jeu, les joueurs coûtent quand même pas mal. Donc, prenez du vendable. À part si vous paquez pas du tout, vraiment pas du tout, vous faites très peu de SBC, prenez un vendable. Ça peut vous servir au niveau des joueurs. C'est un peu comme vous le souhaitez. Donc, nous, on récompense le petit rang 2, tranquillou, voilà, satisfaisant. On avance aussi avec les icônes swap. J'en suis à 6, si je dis pas de conneries. Il doit me rester en Revolt, il doit me rester la Syria qui est bientôt terminée et la Ligue 1. Et après, on s'attaquera bien sûr au clash d'équipe. Donc, point de quali photo, enfin 160, on s'en fout. Le pack à 50k est très satisfaisant. 15k et pack méga. Dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Et pensez aussi, les amis, à jeter un petit coup d'œil dans la description de la vidéo. Sur le Discord, on en repart vraiment en grande quantité avec des très bons pronos. On est à peu près sur l'ensemble des pronostiqueurs sur Discord. On est à plus de 70% de réussite. Donc c'est vraiment très intéressant. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je rappelle que les pronos sont gratuits. En intro, vous voyez aussi par rapport à NetBet. Et ben, n'hésitez pas à vous inscrire sur NetBet. Le lien est dans la description aussi. Mon code promo qui peut vous intéresser. Parce que prochainement, grâce à NetBet, tous ceux qui se seront inscrits via mon lien auront la possibilité de gagner beaucoup de paris gratuits. Donc ça peut être, ma foi, très intéressant. Récompense FUT Champion, le petit hors 2. Bon voilà, hein. Niveau dégueulasse cette année en début de FIFA. Même si depuis qu'il y a eu la mage qui est sortie hier, mercredi, je trouve qu'il y a des petites améliorations qui me permettent de jouer un petit peu mieux, qui me gênaient un petit peu auparavant. On verra bien, mais pour le moment, on n'est pas très bon. Loin de là, donc 45 000 crédits, ça c'est déjà pas mal. La qualif auto, un pack or rare, 2 packs méga rares et bien sûr 2 joueurs rouges avec 4 choix. Possible, l'objectif, vous le savez, les amis, c'est taper du 84+. Le top du top, franchement, Lewandowski, je l'ai en carte SBC. Après, s'il me donne en carte 90 rouge, c'est pas grave, ça servira dans un SBC. Mais bon, moi, j'aimerais bien avoir, je sais pas, un petit Wijnaldum, Pjanic, Dean, Navas. Toi, c'est des joueurs qui sont plutôt corrects. C'est parti, les amis, on va commencer par le deuxième joueur. Il nous faut du 84+, c'est très important pour vous. Pour moi aussi, hein, ça fait très plaisir. Let's go! Le premier joueur rouge, les amis. Oh, Lucas Digne! Ça, c'est bon, ça. Lucas Digne est vraiment très bon sur FIFA. Je l'ai testé quand j'avais ma BPL. J'ai plutôt bien aimé. On sentait qu'il manquait un petit peu de vitesse. Et c'est une carte qui coûte dans les alentours de 70 000 crédits. Et c'est vrai que, bah, il prend quasiment plus 2, plus 3 partout. Donc, c'est très satisfaisant. Et pour vous, les amis, c'est gagné. Donc, pensez à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et d'ici samedi ou dimanche, grand max, j'irai tirer au sort 2 personnes aléatoires dans le chat. Et j'irai leur envoyer carte PSN, Xbox ou PC en fonction de leur console. Eh ben, Lucas Digne, c'est pas mal. Franchement, enfin, un joueur rouge intéressant. Parce que la semaine passée, catastrophique. Et on termine, les amis, sur le dernier joueur rouge. Après Lucas Digne, nous avons Navas. Ouh, ça, c'est des très bonnes récompenses, les amis.
70K pour Dean, 55K pour Navas. Deux très grosses cartes rouges. Pas de Wijnaldum, mais franchement, je suis très, très satisfait de ces récompenses rouges. Enfin, enfin, un peu de chat. Sans vous mentir, les gars, j'ai dû attendre au moins 4-5 mois l'année passée pour avoir un jour à 88 rouges. Là, c'est dès le deuxième Future Champion. Et ça fait franchement plaisir. Bon, eh ben parfait. Navas et Dean. Navas, j'ai pas encore fait ma Ligue 1 pour les défis Rivals. C'est nickel. Et Lucas Dean, c'est très bon. C'est un Français. Carte très complète. Tu lui mets un petit ombre et c'est un régal. Eh ben parfait. N'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez eu, les amis. J'aime bien savoir. Et j'espère que vous avez eu un peu de chance comme moi. Maintenant, on va ouvrir des packs. Il y en a pas mal. Il y en a 6. On a un pack à 50K, des packs méga. Enfin, il y a tout. Il y a vraiment de tout. Écoutez, on va se faire plaisir. C'est parti pour le premier, le pack Jumbo Premium Or. Un pack à 15 000 crédits. Ouais, bon, pas grand chose. Même pas d'animation. Écoutez, dans un petit pack à 15K, c'est pas grave. On récupère, quoi qu'il arrive, des petits crédits. C'est un DLD russe. C'est peut-être Fernandez, je crois. Certainement. Alors attention, enfin pas attention, mais pensez-y. Il y a beaucoup de joueurs qui ont changé de photo. Ça fait un peu bizarre de certains de voir des nouvelles têtes. Enfin, t'as l'impression que c'est pas le même joueur. Mario Fernandez, je pense pas trop que ça se vend. Non, pas du tout. Et les autres, non, merci. Bon, écoutez, prenez pas qu'à 15K, pas très satisfaisant, mais bon, c'est un petit pack. Maintenant, le pack or rare, le second pack de récompense Division Rivals. Eh ben écoutez. Rien du tout, du tout, du tout. Une petite carte or basique. Ouais, c'est Ballos, 80. Lui, j'attends vraiment un petit boost de ces Ballos parce que je pense qu'avec un petit boost, il va claquer facilou les 70 de partout. Donc, ça serait vraiment très intéressant. Sumoro, il connaît. Nouvelle photo aussi. Il connaît, j'en sais rien. Il connaît, oui. Sumoro, j'en sais rien. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont eu leur nouvelle photo. Ceballos, je pense pas trop que ça se vend. Ouais, on sait jamais. On va lister. Hein, s'il part à 800, il part à 800. Et on terminera par le pack à 50K. Maintenant, les packs méga. Il y en a 3. Un pack méga et 2 packs méga rares. C'est parti pour le premier. Est-ce qu'on pourrait gratter au moins une animation? Ça serait déjà pas mal. On a eu, c'est vrai, de très belles cartes rouges. Je suis d'accord avec vous, mais on en demande toujours plus. Après, les rouges, très, 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 très bien. Il n'y a rien à dire. Pedro Leon, Akinfeyev, Piatti et Simon. Ok. Ouais, 4 étoiles de mots et pieds, 5 étoiles de gestes techniques. Ok, non, l'inverse plutôt. Iconé, ouais, ça va peut-être se vendre un petit peu. Waris et Chaloba. Non, merci. Allez, on discarde. Maintenant, on enchaîne sur les deux packs méga rares. On a plus de 200 000 crédits, c'est déjà pas mal. Il en faut encore plus. Let's go. Allez, un petit truc. Voilà. Allez, un petit 86. 86 plus. Magnifique, ça. Un boost argentin. C'est un DLD. Hein? Quoi? Icône. Non. Wouah. Oh, je m'y attendais pas du tout. Je suis en train de chercher. Il y avait un boost à droite. Il me semblait que Hakuna était à gauche. Zanetti! Ouh, ça c'est très bon les gars! Pour ma première icône sur ce FIFA 20! Moi je m'y croyais, mais franchement je m'y attendais pas du tout! J'ai cru que c'était un boost, j'étais en train de chercher argent, enfin un boost argentin. Je pensais à Hakuna, mais Hakuna c'est latéral gauche ou un truc du genre. Zanetti! Pour ma première icône les amis sur ce FIFA 20! Putain que ça fait plaisir! Putain que ça fait plaisir! Zanetti, 88 de gêne, très grosse carte de Zanetti, incroyable, rien à dire, et il coûte dans les 500 000 crédits, impressionnant, oh je m'y attendais tellement pas les gars, oh je suis tarpin content, Zanetti, 500 000 crédits, incroyable, incroyable, merci les récompenses Future Champion. Ah, ça fait plaisir, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu du lourd, ça fait au moins un an, j'ai rien dans les packs en fut champion, les rouges c'est de la merde. Là, Zanetti, ça fait plaisir. Parfait, un très bon pack avec. Nickel, du Herrera, du Bilia, du Politano, du Callum Wilson. Pff, ça fait plaisir les gars, hein. Et Viviano en doublon, voilà, peut-être listé. Mais Zanetti, 500K mon pote, incroyable. Maintenant, vous pouvez me donner de la merde jusqu'à la fin des deux packs, je m'en fous. C'est parti, on enchaîne sur le second pack méga rare après un très bon Zanetti. On repart sur une anime. Non, c'est du classique, c'est du or. Peut-être que quand il y a eu l'animation, les gars, tu sais, avec les lumières qui clignotent, il y a eu un faisceau blanc, il me semble. C'est peut-être ça aussi que c'était une icône.
C'est peut-être ça qui m'a trompé avec le boost, c'est peut-être ça. En tout cas, Luis Alberto, bah écoutez, c'est correct, hein, 84 de gêne, moi je prends. Tranquillou, William Carvalho, Vasquez, ok, Diego Carlos, Ezequiel. Eh bah, fou, ça fait plaisir les gars, ça fait très plaisir. Et c'est peut-être pas fini, puisqu'on termine sur un petit pack à 50k, on peut espérer taper un petit truc intéressant. C'est parti les amis, le pack à 50 000 crédits. Que des joueurs, 12 éléments, tous or, tous rares. Let's go! Ça, c'est le pack de Division Rivals. En espérant avoir un petit truc sympathique. Eh, on part sur une anime. Non, classique. Anime classique, écoutez, on prend. Argentine, oh, ça va, calmez-vous avec les Argentins, je suis pas prêt. Ever Banega, 83, écoutez, ça va. Franchement, pack à 50k, c'est correct. Tenter une petite animation, ça passe. Ever Banega, 83 de gen, mais incroyable, les amis. Zanetti. J'y crois pas. Je vous jure que j'y crois pas. Ever Banega, on prend à 83. Borja Iglesias, non merci. On va quand même le lister. Lui, on ne sait jamais. Tottenham, on ne sait jamais. Mujica et Fecha, non merci. Mais en tout cas, les récompenses ont été incroyables, les amis. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Faut juste que j'aille voir quand même, petit Zanetti, quoi. Il est où? Oh, il est là, Zanetti. Oh, ça fait plaisir. Échangeable. Très belle carte. Est-ce qu'on va le garder? Je sais pas, parce que je suis pas hyper fan d'avoir des icônes au poste de latéral droit, un truc comme ça, latéraux. On le testera, pourquoi pas, mais très grosse carte de Zanetti. 88 de gêne. Merci, les amis, à tous ceux qui auront suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et votre commentaire, parce que là, il y a deux cartes, mais on va passer à trois cartes à 20 euros à gagner. Zanetti, il faut vous récompenser. Moi, ça me fait très plaisir, vous aussi. Donc, il y aura trois cartes à gagner. Vous lâchez votre pouce bleu ainsi que votre commentaire. Et d'ici samedi ou dimanche, les amis, je ferai un tirage au sort. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, les amis. Et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. We'll be right back.